Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Praetorians Gaming. Donc aujourd'hui on va faire un let's play sur Farming Simulator 2022. C'est un jeu très populaire en ce moment et on va essayer de jouer sur cette version. Donc j'avais déjà joué à la version 2019 mais je ne l'avais pas proposé sur ma chaîne YouTube. Et donc vu que le jeu est sorti très récemment, c'est le moment de découvrir ce jeu ensemble les amis. Donc c'est parti, on va faire en mode carrière. Hop. Et donc là, on a le choix entre facile, moyen, difficile. Donc vous savez que moi, j'aime bien les niveaux de difficulté assez élevés. Donc on va partir de zéro, difficulté, difficile. Donc votre capital de départ est très limité et vous ne possédez ni terrain ni équipement. Donc c'est à moi de gérer la ferme comme j'ai envie de faire. Acheter le terrain où je veux, m'équiper petit à petit. Donc en plus, l'économie traverse une période difficile, donc les prix sont vraiment très bas. Les céréales qui seront vendues seront vraiment à des prix très très bas, malheureusement. Donc ça risque quand même d'être assez compliqué, mais on va essayer de gérer ça ensemble. Et les éléments de gameplay sont très réalistes. Donc on va partir sur difficile, les amis, j'espère que ça vous plaira. Parce qu'après, bon bah voilà, hein, facile, on a tout déjà d'avance. Donc on a les terrains, on a le matos également pour cultiver la ferme. Donc c'est pas vraiment le but de partir sur un gameplay aussi facile. Moyen, bah ça pourrait être pas mal, mais bon, on a quand même l'argent pour investir, donc ça me plaît pas trop. Voilà, je préfère partir en carrière difficile, avec ni terrain, ni matos, et c'est à moi d'investir. Donc soit on va claquer, donc on n'aura pas le choix de prendre des emprunts, je pense, pour commencer. Donc c'est sûr, les emprunts, ça va être un petit peu chaud au départ. Voilà, on aura des prélèvements chaque jour, donc on va essayer de gérer ça au mieux les amis. Donc c'est parti, partir de zéro. Alors on a le choix entre quatre maps, donc on a Helm's Creek, hein, ça c'est plus pour les US. Là, cette map là me plaît pas trop, hein, à voir comme ça. On voit que là c'est assez montagneux, donc pour travailler les champs, tout ça, passer la moissonneuse, on va être bloqué avec des rochers ou des arbres, donc ça me plaît pas vraiment ce genre de map. Là c'est un petit peu pareil. Et puis bah, No Man's Land, hein, donc c'est pas trop intéressant non plus. Il n'y a vraiment aucun villageois autour, hein, et tout est concentré dans le côté de la map ici. Et puis vous avez tous les champs en rectangle, donc c'est pas vraiment super comme map. J'ai regardé vite fait en installant le mode. Franchement, on va commencer sur Helm's Creek les amis. C'est parti. Donc j'ai pris quelques mods, hein, mais bon, sans trop hein, quand même. Donc j'ai pris la vitesse du joueur, comme ça on peut accélérer le joueur quand on veut. Donc de marcher très lentement. Je pense que ce mode pourrait être sympa. Ça c'est plus pour couper du bois. Donc c'est une remorque pour stocker du bois dedans et puis le transporter pour le vendre. Donc je pensais que ça pourrait toujours servir au cas où. Et puis le pack Roland hein, pour les remorques et tout ce qu'il faut. Et puis les silos qu'on peut charger et décharger dans les remorques. Je pense que ça, c'est quand même indispensable. Donc, bah, on est parti avec ça comme mode. Alors, on arrive sur cette page, les amis. Donc, bah, j'ai tapé le nom. Le perso, bah, il est créé, hein, pour dire. On va rester comme ça, c'est pas grave. Donc, je sais, il y a beaucoup de coiffures différentes. Hein, vous pouvez regarder tout ça. Voilà, la barbe, les vêtements. Vous pouvez tout personnaliser intégralement. Donc là, il y aura les abeilles et tout, donc voilà, d'où la tenue. Il y a plein de nouveautés sur ce Farming Simulator, donc on va tester tout ça, les amis. Donc en plus, si vous voulez changer dans le jeu, vous pouvez. Hein, vous pouvez remodifier votre perso comme vous voulez. Donc de base, on va rester comme ça au départ, et puis bah, on verra après hein, si vraiment la tenue d'apiculteur et tout ça est vraiment indispensable ou pas. On verra. Pour moi, c'est juste un skin. Les gants, tout ça, vous pouvez changer. Vous pouvez rajouter les lunettes également. Donc on va rester comme ça. Et puis, bah, c'est parti. On confirme le perso. Alors, voilà. Donc là, on spawn sur la map. Donc, tout d'abord, on va aller dans les options, les amis. Et on va mettre le jeu en pause, direct. Donc, voilà. Maintenant, on est tranquille. Donc, le nom de la sauvegarde. Alors, on va appeler ça Praetorians. Voilà. Intervalle de sauvegarde. Alors, on va mettre ça en 15 minutes. Pour l'instant, c'est pas trop grave. La vitesse, alors la vitesse pour l'instant dans le jeu, on peut modifier, donc ça c'est pas trop grave, donc on va mettre en temps réel pour l'instant, histoire de découvrir un petit peu dans le premier let's play, de prendre le temps d'expliquer
convenablement. Difficulté économique, alors on va laisser ça sur difficile, bien sûr. Trafic routier, oui. Et croissance saisonnière, alors là, oui, on va laisser les saisons d'activer. Ça va vraiment être bien. Donc, on aura de la neige également quand ce sera l'hiver. Voilà. Le jour par mois, alors on pourrait mettre 2 ou 3 jours. Hein. Ça sera l'équivalent d'un mois. Donc, on peut laisser 3 jours. On verra bien. Si ça me gonfle, on pourra remettre 1 jour. On changera. Je vous dirai de toute façon ce que je change. Donc, la neige, oui, on va la laisser. Destruction des cultures. Alors, normalement, les ouvriers, ils sont quand même un petit peu moins débiles sur le 2022 que sur le 2019. On peut le laisser activer. On verra bien. Si ça fait de la merde, bah, s'ils détruisent vraiment les cultures, on désactivera ça, hein, bien sûr. Donc, on verra bien. On s'adaptera. Labourage périodique. Alors, oui, on va laisser le plus de choses possible. Donc là, les pierres, ça, c'est nouveau. Une pierre dans les champs. Dans le 2019, quand on labourait, tout ça, il n'y avait pas de pierre qui revenait à la surface. Là, ça va endommager notre matériel quand on va labourer, tout ça. Donc, au départ, on ne va pas avoir vraiment beaucoup d'argent, surtout qu'on utilise la difficulté maximale. Donc, on va maintenant, pour l'instant, et je le réactiverai quand on aura pas mal de thunes, en fait. Donc, la chaux, oui, on va laisser ça. Les mauvaises herbes également. Salissure standard. Donc, démarrage automatique du moteur. Donc, oui, je ne vais pas me faire chier avec ça. Je vais plutôt mettre sur oui. Hein, dès qu'on rentre dans le véhicule, hop, il démarre. On peut l'utiliser. Hein, voilà, on va mettre oui. Freinage, stop and go. Alors, ça, oui, c'est pareil. On va faire ça également. Limite de remplissage de la remorque. Alors, bah, autant mettre le truc le plus réel possible. Hein, voilà, si la remorque est petite, voilà, qu'on soit limité à son poids maximal, hein, clairement. Donc oui, on va laisser ça comme ça. Consommation de carburant. Alors non, peut-être pas quand même élevé. On va mettre par défaut. Hein, voilà. Et puis les ravitaillements pour les ouvriers. Non, on va laisser ça comme ça de base. Donc voilà pour les options. On n'est pas trop mal comme ça. Donc je vais laisser le temps défiler. Hein, parce que bon, là on est quand même en temps réel. Donc pas obligé de mettre pause. Alors ici, bah, euro, kilomètre. Ok, ça c'est bien. Parfait, donc le son, il n'y aura pas de radio au cas où, hein, si c'est copyrighté ou tout ça. Donc le son est désactivé. Là, j'ai baissé un petit peu le son des véhicules, de l'environnement également. L'interface graphique, c'est pareil, parce que regardez, on entend à chaque fois le petit truc, et ça, c'est saoulant. Donc je préfère le désactiver. Là, vous avez une petite aide, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu-là. Donc tout est répertorié là-dedans. Comment gagner de l'argent, en faisant quoi? Un travail des champs, labourer. Semi-plantation, enfin tout est détaillé, voilà, je vais pas vous lire tout ça. Donc ça c'est la map, les amis, donc très très grande, la carte est vraiment immense. Donc pour l'instant on est ici, en plein centre, donc c'est assez centré. Donc bah, la plupart des joueurs hein, se spawnent ici et commencent leur carrière sur cet endroit. Donc bah, pour changer, hein, on pourrait très bien acheter par là. Donc si on regarde dans le terrain, vous voyez que là, on n'achète pas que le numéro 1 en champ, hein, bien sûr, ça englobe le 2 et le 3, donc c'est des petits champs, vous voyez bien. Hein. Le champ 10 pourrait vraiment être sympa pour commencer, mais regardez, la valeur du terrain est à 430 000 quasiment, et on n'a que 500 000. Donc là, c'est hors de question. Là, si on achète ici, vous voyez que déjà la valeur, on n'a pas assez. Hein, ça coûte à peu près 577 000, donc c'est mort pour le champ 1, 2 et 3, et en plus, il n'y a que dalle. Donc c'est un petit peu abusé, c'est des petits terrains en plus. Et bon, après on peut le labourer avec une charrue pour agrandir le champ, sans trop de problèmes. Mais quand même, ça fait quand même hyper cher. Donc le 8 et 9, n'en parlons pas, 727 000. Donc là, c'est trop trop grand, trop balèze là dans l'angle. On ne pourra pas se payer ça, les amis. Donc bah, pour celui qui débute, hein, c'est soit ici. Donc ça fait quand même la moitié va passer là-dedans, la moitié de notre budget. Donc il faut savoir qu'on n'a pas du tout de matos, on n'a rien. Que dalle, donc là c'est que des terrains nus en plus, et faut savoir aussi ce qu'ils cultivent exactement. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a un champ de colza ici en 65, on a du soja en 66, du coton en 64. Alors du coton, non, c'est mort, hein. On va pas pouvoir, on n'a pas les machines et tout au départ, et du sorgho pour le 67. Donc c'est vraiment des petits champs, et ça c'est pas intéressant. Comme endroit de spawn, hein, c'est vraiment encore plus petit que là, dans le centre. Donc non, je ne suis pas intéressé du tout dans ce petit carré, hein, clairement, et en plus ça fait quand même hyper cher pour ce que c'est.
Donc non, on ne va pas spawn ici. Là, ça fait la moitié encore de nos économies. Donc on a le champ 80, 81 et 82. Là, ce serait vraiment pas mal, celui qu'achète ici, mais 320 000 quand même. C'est pas rien. Il faut savoir qu'il faut acheter le tracteur, tout le matériel pour labourer, cultiver également. Donc c'est quand même assez cher ce terrain. Et comme starter, c'est quand même hyper chaud. On n'a pas assez, clairement. Par contre, ici, ça pourrait être sympa. 225 000, les amis. On a un grand champ quand même, 77, il est immense. Donc ça pourrait vraiment être sympa. Le 78 et 79. Donc là, c'est un petit peu petit. Après, peut-être qu'on pourrait racheter même le 80, 80, 81, 82, hein, pour que ce soit nous aussi également. Mais comme starter, ça pourrait vraiment être pas mal. On aurait un grand champ déjà dès le départ. Et puis bah, pour la récolte, hein, ça pourrait vraiment être sympa. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme champ? En 77, donc ça correspond à quoi? Ouais, on a du soja ici, donc il faudrait récolter le soja et puis bah, le vendre. Donc à quel prix il est le soja déjà? On va regarder ça ensemble, les amis. Le soja, alors on peut le revendre ici au prix le plus cher, à 917 euros la tonne. Et donc le prix, on n'est pas au plus haut, mais on n'est pas au plus bas également. Hein, vous voyez, le trait est ici. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce trait-là, hein, vous voyez que là, les barres vertes, ça, c'est le prix qui continue à monter. Et les mois en rouge, comme ça, c'est le prix qui chute, hein, violemment. Donc on voit qu'au mois d'août, hein, il prend une claque sur le prix. Actuellement, on est en août. Donc justement, le prix chute. Donc ça, c'est assez bien foutu, comme vous pouvez voir. Donc bah, pour l'instant, il faudrait se dépêcher de récolter le soja, les amis. Et puis bah, de pouvoir... le revendre, hein, tout simplement. On pourrait en tirer quand même un bon prix. Je pense que c'est un champ assez conséquent, celui-là, le 77, là. Pourrait vraiment être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, 76, c'est du colza. Et 78, on a du sorgho également en 78. Donc, avec la petite légende de couleur, hein, que vous voyez ici, sur le côté. Donc, voilà. Et dans cette version, vous pouvez bien sûr récolter des olives et du raisin, ce qui n'était pas disponible sur le Farming 2019. Donc on a fait le tour déjà de l'interface et je pense que je vais acheter ce terrain-là, les amis. Ça pourrait changer un petit peu pour ce let's play, hein, parce que beaucoup démarrent au centre, ici. Et en plus, c'est des petits champs, comme vous pouvez voir, hein, 45, 46 et 44 sont vraiment petits. Donc bah, acheter ici, ok, c'est pas trop cher, 156 000 pour l'endroit de spawn. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup à rajouter et je pense qu'on a quand même des plus grands champs de culture, donc bah, le prix de revente sera encore meilleur que cela, simplement. Donc on va pas s'emmerder. Là vous voyez que c'est des petits champs et ça coûte 260 000, donc c'est assez cher. On va pas s'embêter, je pense qu'on va prendre ce terrain, les amis. C'est parti, on achète. Oui, voilà. Et là, ce terrain nous appartient. Maintenant, ça fait partie de notre ferme, donc on va commencer à s'établir là, gentiment. Donc vous voyez que il nous reste 275, à peine 275 000 pour racheter tout le matos nécessaire. Donc le tracteur, il va falloir une ensileuse, il va falloir récolter tout ça. Donc bien sûr, on ne va pas laisser tout ça se perdre. Et après, il va falloir passer une charrue. Donc le soja, alors malheureusement, on ne va pas pouvoir le récolter tout de suite. Alors je n'ai pas regardé ça par contre, mais vous voyez que ça se récolte pas avant octobre et novembre. Donc si on récolte maintenant, je pense que le soja, de toute façon, il n'est pas mûr. Bah non. Donc, on va pas pouvoir le revendre tout de suite. Donc, il faudra attendre l'année prochaine, en fait, pour le revendre au meilleur prix. Donc, à peu près juillet, hein, c'était là qu'il était vraiment le plus haut. On vérifiera le calendrier assez régulièrement. Donc, on a dit qu'on avait du sorgho. Donc, saison de récolte, ah ben, on est pile dedans. On va pouvoir récolter ce champ-là, par contre, de sorgho. Et qu'est-ce qu'on avait? Du colza, je crois. Donc, on va pouvoir également le ramasser. Donc on va déjà revendre le colza et le sorgho, les amis. On va commencer par ça. Donc c'est la même barre de coupe, en tout cas, pour la moissonneuse. Donc c'est parfait. On va pouvoir faire ça. La moissonneuse, les amis, je pense que je vais la louer parce que franchement, elle va nous servir juste pour cette saison, en fait. Donc autant l'emprunter, on va pas l'acheter. Par contre, le tracteur, je vais l'acheter neuf. Ça, c'est sûr. En contrat, qu'est-ce qu'on a qui pourrait payer pas trop mal? Bon, alors ça paye que dalle, labourage, récolte. Ça paye pas non plus. Épandage d'engrais, ça pourrait être pas mal. Sur le champ 75, alors, champ 75, il est où?
Oh bah c'est juste à côté en plus de chez nous, donc parfait. On pourrait même faire ce contrat, hein, ce qui est pris, de toute façon en argent. Donc bah on va le faire ça, comme mission, ça pourrait être pas mal. Donc on acceptera ce contrat bien sûr. Avant on va s'acheter quand même le tracteur les amis. Alors donc le magasin les amis. Alors donc on va essayer de s'équiper d'abord d'un petit tracteur, hein, de toute façon on va pas prendre beaucoup, beaucoup mieux hein, pour l'instant au départ. Donc avec quand même pas mal de chevaux. Donc ça c'est trop petit, hein, 68 chevaux, on peut rien faire avec ça. Il faut quand même un bon petit tracteur. Là 75 chevaux, c'est pas assez. Également 95, 117 là, le Proxima HS. Alors d'abord, il y a maintenant les ristournes, les véhicules d'occasion. Et ça, faut toujours regarder un petit peu là-dedans. C'est une petite nouveauté, je crois, par rapport au 2019. Pour l'instant, on a une remorque 62% en moins. Donc, c'est quand même assez intéressant pour cette benne, en fait. Ça pourrait vraiment être sympa. Même plus que sympa. Donc, pourquoi pas. Ah, c'est un épandeur à fumier. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, ouais. Ça, on s'en fout, hein, pour l'instant. Donc, ça, c'est pourquoi le peuplier. Donc, ça va pas m'intéresser. Alors, ça, c'est quoi? Alors, je sais pas si c'est un broyeur ou quoi. Aucune idée, les amis. Je sais pas trop ce que c'est. Pour être franc, une direct disque 500. Alors, aucune idée de ce que c'est. En plus, ça coûte quand même assez cher. Et ça, c'est quoi? Donc, 6 mètres de long. Ça pourrait être intéressant. Bah, par contre, pour le faire fonctionner, 250 chevaux qu'il faut requis. Donc, non, c'est mort. On n'a pas assez. Enfin, le tracteur qu'on va tenter d'acheter va pas être suffisant pour tracter un truc comme ça. Donc, c'est mort pour l'instant. Il faudrait quand même un bon petit tracteur, clairement. Donc, là, 100 chevaux, 117, 105 à 145 chevaux, celui-là. Alors, il serait assez intéressant. Mais vu le prix quand même. Alors le John Deere serait vraiment pas mal, mais 109 500, il va falloir taper dans le crédit, hein, ça c'est clair, on va pas avoir assez de toute façon. J'aimerais bien commencer déjà une production de miel et de volaille, les amis, dans un premier temps, avec une petite serre également pour avoir des revenus passifs, on va dire. Ça pourrait être sympa déjà pour débuter ce premier épisode avec vous. Donc de toute façon, il va falloir du matos. Hein, il va falloir vraiment du matos, les amis, on n'aura pas le choix. Donc la barre de coupe, on pourrait peut-être se l'acheter. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal, en fait. Hein, pour 5 000 euros de plus par rapport à celle-là. Elle est en 4 mètres, je crois, alors que celle-là, elle fait combien? 5 mètres. Ok, 5 mètres. Et là, elle est à 6 mètres. Donc on gagne 1 mètre de largeur sur le champ. Donc celle-là, elle est quand même pas mal. On va essayer de s'équiper. Hein, on va s'acheter cette barre de coupe. Ouais, elle va pouvoir nous servir quand même pas mal de temps. Donc celle-là, on va l'acheter. Par contre, la moissonneuse, on va la louer. Hein. On va pas avoir assez de thunes, les amis, pour acheter la moissonneuse, le tracteur, la remorque. Il va nous falloir une remorque également. Donc on va regarder à ça. Alors la remorque, elle a une capacité de 8 mètres cubes. Donc c'est pas trop mal. Hein. Il y a quand même de quoi mettre dedans pour la remorque de base. Hein. De toute façon, il va falloir s'équiper gentiment dès le départ. On va pas commencer à acheter vraiment le matos qui coûte le plus cher. Hein, après, c'est des bennes quand même qui coûtent assez cher. Hein, on a la classe quand même qui est pas mal pour pas trop trop cher. On a une capacité de 12,6 à 22 mètres cubes, alors que là c'est que du 8 mètres cubes. Donc pour ajouter 6 000 de plus, je pense que la classe elle est quand même pas trop mal. On va peut-être s'acheter ça, les amis. Extension, on n'est peut-être pas obligé de prendre l'extension quand même. Là, ça nous fait du 12 mètres cubes 6, et si on prend l'extension, ça fait du 22 mètres cubes 500. Pour l'instant, les champs sont pas trop gros, donc on va la laisser en standard. On va économiser un petit peu de sous. Donc, on peut faire les plaques d'immatriculation. Donc, ça, c'est nouveau, c'est plutôt cool. Ça, c'est assez sympa. Donc, on peut mettre ce qu'on veut comme plaque. On peut même changer la couleur. Donc, on va pas mettre de plaque hein, pour l'instant. Donc, on va prendre la classe, les amis. Elle est pas mal comme Ben. 12 mètres cubes 6 comme ça en standard, c'est vraiment pas mal. Après l'extension, comme je vous dis, le champ est pas énorme, énorme. Pour l'instant, on n'a pas des champs vraiment énormes en hectares. Donc voilà, une petite remorque comme ça, simple, hein, ça devrait suffire. Elle est encore mieux que l'autre, là, la première qu'on avait dit. Donc hop, on va acheter celle-là. C'est parti. Donc on a la remorque, la barre de coupe pour la moissonneuse. Donc on va louer la moissonneuse, bien sûr, les amis. Donc la remorque, on est bon. Il nous faut absolument un tracteur. Donc si je pars à un tracteur moyen, là ouais, on tape quand même dans les 97 000.
Mais après, on serait quand même tranquille parce que 170 chevaux, il est quand même pas si dégueulasse là, le petit Massey là. Donc 97 000, allez, pourquoi pas. Le John Deere qui est pas trop cher, il est à combien en termes de chevaux? 175. Ah, c'est assez intéressant aussi le John Deere. On va pas se mentir, et pour 2 500 de plus, franchement, il est pas mal non plus le JD. Valtra 108 000, 190 chevaux, donc là vraiment il est parfait aussi lui, le petit Valtra. Non, après là c'est hors de prix, on va pas s'acheter ça. On va commencer vraiment assez raisonnablement. Hein, on va s'acheter soit le JD, soit le petit Massey, ou le Valtra à 108 500, mais vraiment il coûte quand même assez cher. 190 chevaux, au moins on serait tranquille quand même. Il pourrait tracter pas mal de trucs. Il nous faudra un petit tracteur, ça c'est sûr, pour lui mettre juste une fourche à l'avant pour soulever voilà, les petites palettes, les trucs, conneries à la con. Donc je prendrais bien quand même ce petit tracteur, les amis. 190 chevaux. On prend le Valtra. Allez, c'est parti. Soyons fous. Donc standard, là, les pneus, d'accord. Donc bah, ça va faire le taf. Hein. 190 chevaux, franchement, comme starter, c'est vraiment pas dégueu du tout. Donc ouais, c'est parfait. Chargeuse avant, alors ça c'est une option. Donc je pense que ça va être indispensable. Hein. On va l'utiliser assez souvent. Soit mettre la masse ici pour avoir un petit peu plus lourd à l'avant. Donc bien sûr, on va s'acheter la chargeuse avant. Comme ça, on sera tranquille. Donc acheter. Donc 110 000 euros. Alors ça picote. Hein. Il nous reste 117 000 et franchement, on n'a pas grand-chose, les amis, pour l'instant. Je pense qu'on va taper dans l'emprunt, on n'aura vraiment pas le choix. Donc le tracteur, on est bon. Donc là, on a vraiment un bon tracteur de départ. Hein, ça, c'est clair. Donc on louera la moissonneuse, de toute façon, comme je l'ai dit. Pour l'instant, on ne va pas se tracasser avec ça. Ça, c'est pour la betterave, l'ensileuse, les pommes de terre, on s'en fout. Donc un petit tracteur, ça pourrait être pas mal. Mais on va peut-être attendre un petit peu, on va se calmer. Donc on a la remorque, il va falloir labourer également. Donc là, les semoirs, ok. Décompacteur, ouais, ça pourrait être pas mal. Alors ça coûte combien? 5 000. Et après on passe à 8 600 en 3 mètres. Et là 1,5 m, donc ça c'est nul, clairement. Alors, on va prendre celui-là. Donc ça c'est juste pour le labourage. Hein. Elle remplace la charrue, donc c'est pas trop mal. On va l'acheter, les amis, on va l'acheter. Ça demande 120 chevaux, donc largement, hein, vous voyez. Donc on est bien, on va l'acheter. Il nous reste 108 000. Donc on a de quoi labourer, maintenant il faudrait un semoir, ou alors on prend le culti carrément, comme ça la terre sera faite directement, ça pourrait être bien. Alors comme culti, 4 mètres, 160 chevaux, donc j'ai bien fait d'acheter quand même le Valtra, vous voyez. Sinon on n'aurait pas pu acheter celui-là, et je pense que 19 000 c'est pas trop mal quand même, en 4 mètres. Donc peut-être que j'aurais dû acheter ça, hein, clairement, plutôt que... Le décompacteur. Et le culti sert à préparer les champs à être réensemencés. Donc comme ça, il sera prêt. Si on passe ça, ça sert de labour et de herse en même temps, on va dire. Donc comme ça, après, on peut cultiver directement après. Après son passage, on le fait qu'une fois. Alors que sinon, si on fait le décompacteur et après le culti, c'est un petit peu con, il faudra refaire les deux. Donc autant faire ça directement. Donc 19 500, ouais, ça picote. On n'aura pas le choix, donc on va l'acheter. Voilà, il nous faut du matos. Et il nous faudrait aussi un semoir, les amis. On va regarder le semoir. Ah putain, le plus petit, c'est 33 500. Ah ouais, en 3 mètres en plus. Donc on va mettre un temps fou pour faire ça. 3 mètres, il est à 42 000. Wow. Donc là, ouais, c'est hors de prix. Donc là, on peut planter avec ça. On va prendre le moins cher. Hein. 33 500, c'est vraiment le moins cher. 3 mètres, de toute façon, ils sont tous en 3 mètres, à part celui-là. Mais 50 000, là, c'est pas du tout le même budget. Et puis, on gagne que 1 mètre. Donc, voilà, c'est les mêmes cultures, de toute façon, qu'on peut mettre dedans. Donc, le blé, l'avoine, l'orge, le colza, les pois, le sorgho, les radis, ça, oléagineux, je crois. Et de l'herbe qu'on peut planter avec ça. Donc, on va prendre le culti, comme ça sera fait. Voilà, on a un culti. On peut maintenant mettre des graines également. Donc, on est vraiment pas mal. Il va falloir un épandeur d'engrais également. Donc épandeur d'engrais. Ah putain, on est déjà à 55 000 de budget. Donc celui-là serait vraiment pas mal, le petit Bredal. Mais 45 000, waouh, ça picote de fou. Il va falloir taper dans le crédit, hein, moi je vous le dis.
Là, on n'aura peut-être pas assez avec ça. Enfin, elle est pas mal parce que 3 200, mais bon, 25 000. Là, on peut mettre de la chaux et de la fertilisation. Donc, il fait les deux, alors que lui, il fait que la fertie et pas la chaux. Donc, vous voyez que ce serait mieux d'acheter le Brédal directement. Comme ça, on aurait l'épandeur de chaux et l'épandeur d'engrais en même temps. Ça pourrait être vraiment pas mal. Donc, on va se l'acheter. On va l'acheter également. Voilà. Mais au moins, on aura vraiment le matos de base. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc, on passe vraiment un temps fou là à chercher tout ça. Mais au moins, on aura ce qu'il faut. Voilà ce que je veux dire. Donc, la chargeuse avant, il va m'en falloir une. Donc, bah, on va prendre celle-là. Hein. Je pense que. Ou alors, on prend celle-là pour vraiment être tranquille. Elle peut soulever 720 kilos. De toute façon, il va falloir taper le crédit. Hein. Les amis, il va falloir taper le crédit. On n'aura vraiment pas le choix. Donc, allez, on part là-dessus. Couleur principale. Alors, vu que le tracteur est en bleu, on va le remettre en bleu. Voilà, c'est un Valtra. Donc, on part là-dessus. Acheter. Et maintenant, il va falloir taper le crédit. On n'aura vraiment pas le choix. Donc, on va faire un emprunt. Alors, on va emprunter. Donc, déjà, il faut savoir que on est déjà en emprunt. On est à 200 000 d'emprunt. Donc, il va falloir payer ça. Il nous reste 1 500 euros pour l'instant. Donc, bah, ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud, les amis. Il va falloir que l'argent rentre dans la ferme. Hein. Sinon, ça va être la faillite. Donc, 200 000, bah, il va falloir emprunter. On n'a vraiment pas le choix. Allez, on va se prendre 50 000 déjà d'emprunt. Et puis, bah, on va finir d'acheter ce qu'il nous faut. Alors, il va falloir un transport de palette. Donc, le godet, pour l'instant, on s'en fout. La fourche à balles, pour l'instant, on s'en fout également. On va prendre juste le cadre de lève-palette. Ouais, on va prendre ça. On va prendre le lève-palette. Donc, 800 euros, ça va. C'est pas trop cher. Acheter. Yes. Voilà. Donc, on a ça. Peut-être une petite masse quand même. Hein. Ça va peser après avec le culti et tout ça. Peut-être une petite masse quand même. Bah écoutez, on va prendre le 750 kg à l'avant. Comme ça, on sera vraiment tranquille. Je pense qu'on sera bien avec ça. Allez, on part sur celui-là. 750 kg à l'avant. Je pense qu'on sera pas mal. Il ne va pas bouger plus que ça. On va le mettre en bleu. Voilà, parfait. On va l'acheter. 900 euros. C'est parti. Voilà la masse. Donc ça, c'est bon. On est bien avec ça. Voilà, donc super. Donc on a acheté pas mal de choses, les amis, mais c'était vraiment nécessaire. Donc on va se taper là-bas avec Tab. Et donc voilà, on a notre tracteur ici, les amis. Donc vraiment, il est beau, hein, trop stylé. Donc là, on a la petite remorque qui va bien. La barre de coupe pour l'ensileuse hein, quand on va la louer. La décompacteur, enfin le décompacteur, le culti pour semer également. L'épandage de chaux et d'engrais. La chargeuse, ok, super. Et on a la masse. Donc avec le petit lève-palette, hein, ça c'est vraiment classe. Ok, donc on est bien. Alors, on va aller s'équiper les amis. Donc je vais prendre la chargeuse avant déjà. Voilà. Ok, alors les amis, on va charger la benne, on va la ramener chez nous. Voilà, on va prendre la benne avec nous. On va essayer de prendre la chargeuse quand même avant. On va la ramener chez nous. Mais c'est bizarre que le lève-palette ne veut pas se prendre. Je comprends pas là, le délire, les amis. Ok, re les amis. Donc j'ai trouvé pour le lève-palette. Hein. En fait, je me suis trompé. J'ai acheté bah, ce qu'il fallait pas. Tout simplement. Donc je vais le rendre, hein, ce truc. Il me sert à rien. Alors, donc, j'ai pris l'outil pour chargeuse compacte. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut du tout. C'est l'outil de chargeuse avant. Voilà la différence. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à l'attacher sur ma chargeuse avant. Tout simplement. Donc je vais le rendre et puis voilà. Donc vendre. 640 euros, on l'a acheté 800 balles, donc on perd pas grand-chose. Voilà, ça m'apprendra. On va vendre ça, donc j'avais même pas besoin de le ramener jusque-là pour le vendre. Donc je vais faire ça hors cam, les amis. Je vais aller jusqu'à chez moi, dans ma ferme, pour ramener déjà la benne, la chargeuse avant, qu'on va détacher après. Et puis bah on est parti, je vais jusqu'à chez moi, donc la map. Donc on était ici, logiquement. Je vois plus mon perso, alors attendez. Ok, donc on est ici au centre commercial. On voit notre icône là-bas.
D'accord. Et je dois aller jusqu'ici. Donc je traverse. Ok, la rue tout droit là-bas. Et puis on n'est pas loin de la gare, en fait, du train. Donc ça, c'est pas mal. On pourra vendre pas mal de céréales avec la gare ici. Donc on est vraiment tout près. Ok, bah je vais me diriger vers la ferme, les amis. Donc j'ai un petit peu de chemin. Et puis bah je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, je suis arrivé chez moi. Donc on va regarder un petit peu la ferme. Donc là c'est notre culture de soja. Donc on va pas récolter pour l'instant. On est à plus 68%. D'accord, fertilisé 100%, très bien. En cours de croissance. Donc vous voyez que là il est encore en cours. Donc c'est mort, on va pas pouvoir le récolter. On va aller voir là-bas. C'est parti. Ça nous appartient. Par contre, le bâtiment de corps de ferme là-bas, c'est pas à nous, hein, tout simplement. Donc là, on a ici donc du sorgho, 55% de bonus rendement, d'accord. Mauvaise herbe. Donc là, il faudrait de l'herbicide, mais on va pas le faire. On va récolter carrément. En cours de croissance. Ah oui, d'accord. Donc il est pas prêt pour la récolte. Donc d'accord, ok. Donc ça, c'est nos trois champs. Donc on peut increase la vitesse, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hein. Vous voyez que là, on peut aller partout. Là, on a un champ de colza. Donc ça, c'est pour le propriétaire Michael Amand. Hein, vous voyez, c'est pas à nous. Donc il est hyper grand aussi, son champ. Notre champ de soja est immense également. Donc voici notre terrain. Donc le plus grand champ, hein, c'est 77. Donc c'est celui de soja. Donc là, ce qu'on pourrait faire, hein, c'est un corps de ferme ici. Donc avec des bâtiments, des hangars et machin. On a même du bois qui nous appartient, donc on pourrait le couper et le revendre également. Ça nous rapporterait un petit peu de thunes, à grandement besoin en plus. Donc pourquoi pas? Et puis placer notre ferme par là pour commencer, quoi. Avoir un petit starter de ferme. Donc j'aimerais bien commencer, comme je vous l'ai dit, avec un poulailler, simplement. Donc les animaux, hein, on pourrait en acheter. Donc bah, on va essayer de se faire ça, les amis. Alors, je crois que c'est là-dedans, dans construction, animaux. Et là, on peut faire, voilà, soit les vaches, 75 000 euros, ça picote. J'aimerais bien commencer petit, avec des poules seulement. On pourrait se faire des poules, les amis. Donc la question, c'est plutôt où le mettre. Alors, on a le trigger ici, d'accord. Et donc, pour les palettes d'œufs, on va pouvoir le mettre par là, au bord de la route, quoi, voilà. Hein. On va le mettre ici, le poulailler, je crois. On serait pas mal là. Donc 6 041 euros. Rien que pour l'enclos. Donc on va s'acheter des animaux par la suite. On pourrait même se faire une petite ruche, les amis. Pourquoi pas? On pourrait se faire du miel avec. Hein, ça pourrait être bien. Donc 12 500 ou celui à 19 000. Comme ça, on aurait vraiment pas mal de miel en grande quantité. Et puis bah, on pourrait vendre ça en même temps. Ça pourrait être sympa. Allez, on prend celui de 19 000, hein, pour commencer vraiment. La production de miel, les amis, et du coup on va le placer par là avec le petit trigger qui va bien pour les ruches. Hein. Parce que si on le met à côté du champ, en fait, on va se faire chier pour la moissonneuse, pour pouvoir avancer, reculer. Les ouvriers, c'est pareil, ils vont se faire chier. Donc je pense qu'on va plutôt le placer par là. Allez, c'est parti. On le place ici. Et le trigger. Voilà, ici. C'est pas mal. Super. Donc comme ça, on aura notre petite production de miel, les amis, ici. Notre enclos pour les poules. Donc bien sûr, il va falloir des céréales. Donc il va falloir acheter une palette de blé sûrement. Donc si je vais dans magasin, négociant en bétail, donc on va s'acheter déjà un coq, ça c'est sûr, on va s'en acheter un. Donc sélectionné, on va s'en acheter un pour la riprod. Peut-être même deux, hein. Comme ça ira beaucoup plus vite. On pourra reproduire nos poules. Allez, on se prend deux coqs. Acheter. On va se prendre des poules à 5 euros. Donc période de gestation 2 mois, ok, d'accord. Donc là, c'est des poules de 6 mois et elles sont prêtes à faire des reproductions. Elles coûtent quand même 50 euros pour chaque poule, donc c'est quand même beaucoup, mais il va falloir de la riprod au départ. Donc je vais m'en prendre 10 comme ça et on va remplir le restant de poules à 5 euros pour pouvoir faire la riprod. Donc il m'en faut, on s'en prend 13, ça nous fait passer à 25 et comme ça, on verra si la riprod ça fonctionne ou pas quand on sera à 30. Bah, ça veut dire qu'on aura 5 poussins qui deviendront des poules. Voilà, on va s'acheter ça, les amis. Donc 13 poules toutes jeunes, hein, elles ont 0 mois.
Donc c'est parti. On achète ça. 78 € là, ça va. Voilà, super. Et comme ça, on a 25 poules sur 30 de capacité. Alors niveau animaux, donc reproduction, vous voyez, hein, il y aura une petite jauge et on pourra reproduire des poules. Donc il va me falloir des céréales, absolument. Donc les poules aiment le blé, l'orge et le sorgho. Donc on a du sorgho, mais malheureusement, il n'est pas encore mûr et on ne peut pas le récolter, sinon je leur aurais donné. Donc on va s'acheter simplement une palette de blé, histoire qu'elles ont quand même ce qu'il faut pour bouffer. On va prendre en palette de Big Bag ce sac-là. Voilà, sac de blé, c'est pas mal. Donc il y a 1000 litres, hein, je ne sais pas trop combien il en faut. On va s'en prendre une déjà, une palette, ça devrait aller. Voilà, on le récupère au magasin, donc c'est pas très loin, hein, de la maison, c'est super. Donc 1 500 € la palette, hein, c'est quand même pas donné pour 1000 litres. Donc je pense que quand même, le mieux, le plus rentable, hein, ce sera de cultiver son propre blé. Je pense que ça va être aussi bien. Alors donc, on va commencer à déposer le matos ici. Donc la chargeuse, hein, pour l'instant, elle va nous servir pour soulever la palette. Donc on va la garder et on va laisser la remorque ici, les amis. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, on a dételé la remorque. Et puis bah, je vais là-bas chercher la palette de blé, les amis, au magasin. Et puis on va nourrir les poules. Alors vraiment, c'est magnifique comparé à la version 2019. Hein, les poules, elles sont vraiment mieux faites. Alors, je suis toujours en perso speed. Voilà, je me remets en standard. Donc elles sont vraiment très belles, hein, vous voyez que... On les voit bouffer un petit peu dans l'herbe. Tiens, le coq qui s'est barré en plus. Ok, je sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais ils sont vraiment mieux faits que dans la version 2019. On les voit bouger. Beaucoup plus vivants en tout cas. Donc voilà, super. Donc c'est parti, je vais au magasin. On va aller chercher la palette, les amis. Alors, on va prendre la palette qui est ici. Donc, on va baisser tout ça, les fourches. Voilà, super. Donc, on va monter la palette. Donc, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre aussi, qu'est-ce qu'on aura besoin très prochainement. On va prendre le décompacteur avec nous. On va le ramener à la maison. Voilà, et je suis parti pour soigner les poules, les amis. Allez, on rentre à la maison. Donc on peut se mettre en vue intérieure, dans le Valtra. Voilà. Mais je préfère quand même extérieur, hein, c'est quand même mieux. On voit un peu mieux quand même. Donc on peut zoomer comme ça, on zoom arrière, ou se rapprocher. Voilà, ça c'est assez classe également. Allez, on va aller donner à manger aux cocottes. Et puis on va s'arrêter là, les amis. Voilà, on donne un petit peu de blé. Voilà, et il reste 250 litres. Donc on verra ça plus tard. On va la stocker par là-bas. Et on le reprendra plus tard s'il le faut. Voilà, super, les amis. Donc ça c'est fait, donc les poules sont soignées, on a donné du blé, et puis bah, je vais laisser le décompacteur ici, pour l'instant il ne nous est pas utile. Donc il est puissant, hein, le tracteur, hein. On sent la puissance vraiment quand on accélère encore, on le sent vraiment. Hein. Donc la chargeuse, alors on va laisser tout ça ici je pense, donc le décompacteur là. La chargeuse bah, qui va pas nous servir pour l'instant, donc au lieu de l'user pour rien, on va la laisser tout simplement ici avec le lève-palette. Voilà, on va laisser ça ici. Comme ça, on est tranquille. Donc les amis, je vais aller chercher tout l'équipement au magasin. Et puis bah, je vais vous laisser là pour le premier épisode de Farming Simulator 2022. J'espère que ça vous aura plu. Je veux un maximum de pouces bleus pour continuer cette série. Allez, à bientôt pour l'épisode 2 des Praetorians Gaming. Bye bye!